Coucou les garçons. Comment ça va ce soir? Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où? Précisément, on est dans le restaurant La Halle Renaissance. Et qu'est-ce qu'on va faire? Manger. Oui, voilà, déjà manger, c'est sûr. Et effectivement, c'est un dîner-spectacle qui va voir s'affronter les Français. Donc les Français, c'est nous. Hein, regardez les couronnes, les copains et les copines. Voilà, nous, on a les couronnes avec les fleurs de lys. Donc effectivement, on est côté français. Et nos adversaires? Les Anglais. Les Anglais, tout à fait. Est-ce que vous êtes prêts pour ce dîner-combat-spectacle? Oui. Allez, c'est parti. Les petits rois sont à table. Là, on est au dîner-spectacle. Et moi, je vous fais rentrer, apportant les gâteaux de poulet. On rencontre
rencontre Nora à la sortie du restaurant. Absolument adorable, qui a préparé des dessins et des petits Smarties pour les garçons. Trop trop mimi. Néo, je crois que tu as un chevalier à côté de toi. Alors là, il fait encore bien jour, hein, bien qu'on soit déjà dans le début de la soirée. Nous venons donc de quitter le restaurant. Et que fait-on maintenant? On rentre à l'hôtel. Oui, on rentre dans notre château. Retour à la citadelle pour ces messieurs. La photo souvenir. Avant de rentrer à la citadelle, on retrouve nos amis les cochons. Ils sont sur notre trajet. Non, oh, ils sont trop mimi. Ils doivent penser qu'on leur amène à manger parce que du coup, ils se sont bien rapprochés de nous. Et désolé les pépères, hein, c'est pas l'heure du repas, vous avez déjà dîné. En fait, Néo c'est lui et Swan c'est moi. Voilà, et c'est ça. Néo et Swan, parfait. On vient voir Madame Biquette aussi. Coucou. On a mangé. C'est le retour au château pour le chevalier Swan et le roi Néo. C'est ça, Sa Majesté Néo. On est de retour à la citadelle, regardez comme c'est beau, c'est superbe. En plus là, c'est éclairé le long du chemin, c'est absolument magnifique. Là ça y est, c'est le retour. Néo, attention, je crois que tu vas te faire attaquer. Le chevalier Swan. Mais chevalier Swan, t'es censé défendre le roi, t'es pas censé l'attaquer. Là, c'est très très joli. Toute la cour du château est éclairée. C'est absolument magnifique. Il fait encore un petit peu jour, mais quand même, là, la soirée est bien avancée. Et il va être grand temps pour les garçons d'aller se coucher. Chevalier Swan et roi Néo, c'est l'heure du dodo. Que se passe-t-il, chevalier Swan? Tu me fais trop peur quand même, hein. Coquin. Alors, roi Néo, ça fait quoi de rentrer dans son château? C'est super. Retour dans nos quartiers. Tintin. Oh là là. Il n'a pas l'air bien fatigué, ce chevalier-là. Pourtant, ça va être l'heure d'aller au dodo, hein. Tu n'es pas censé vous mettre en pyjama, là? Quoi? Qu'est-ce que vous faites? On regarde la télé. Et c'est quoi le programme? Pifou. Et ben voilà, comme ça vous n'êtes pas dépaysés, hein. Effectivement, c'est bien le Puy du Fou à la télé. On va peut-être passer au pyjama quand même. Quoi? D'ailleurs, je vous rappelle que là vous êtes dans notre lit. Donc là ça va pas être possible, hein. Allez, mais les garçons là vous êtes en pyjama? Ouais. Swan, t'es en pyjama? Oui. C'est quoi ce pyjama? Pyjama chevalier. D'accord. C'est dans l'ambiance du Puy du Fou, c'est ça? Oui. D'accord. Tu vas dormir comme ça, c'est vrai? Oui. Alors Swan, on lui a acheté un déguisement de chevalier et là, ça y est, il ne le quitte plus, il va même dormir avec. Alors ok, vous êtes en pyjama, donc il y a déjà du progrès, mais vous êtes encore dans notre lit. Notre lit. Non. Notre. Vous avez votre chambre à côté avec vos lits superposés. Votre chambre. Quoi? Non mais tu plaisantes ou quoi? C'est notre chambre. C'est cela, oui. Brossage des dents et tout le monde au lit. Vite! Swan se brosse les dents en premier. Et le grand aussi. Très très important, hein. Ah bah ça y est, cette fois vous êtes dans votre chambre, il y a du progrès. Alors cette fois c'est le grand qui dort en bas. Tu n'as pas l'air satisfait, Néo. Ça te plaît pas ce lit? T'es très bien ici. Oui, ça va, très très bien. Alors Néo en bas et Swan en haut. Les rôles sont inversés cette fois. Bon, en fait, c'est un petit peu comme à la courte paille, voilà. Les garçons ont fait un petit jeu pour déterminer qui dormira en haut, qui dormira en bas. Et bien sûr, Néo, avec sa chance légendaire, a perdu. Donc il dort en bas. Ça va, petit chevalier? Oui. T'es bien installé là-haut? Oui. On va lire l'histoire? On va lire l'histoire. Allez. Qu'est-ce qu'on lit, monsieur le chevalier? Les monsieur et madame vont camper. D'accord. Donc c'est toi qui lis la première page, hein? Ok. Donc les copains et les copines, comme vous le savez, Swan il est dans l'apprentissage de la lecture. Alors là je sais pas du tout ce qui est écrit. Il apprend à lire avec maman et avec les monsieur madame. Ce
jour-là, Monsieur Gusteau fut vraiment ravi quand il regarda par la fenêtre. Bonne nuit, petit chevalier. Oh, on a oublié quelque chose de super important. Quoi? Pas le gros bisou. Bisous, mon petit cœur. À demain. Bonne nuit, je t'aime fort. Néon. Qu'est-ce qu'il y a? Extinction des feux pour toi aussi. D'accord. Tu joues à quoi? Crossy Road. C'est quoi Crossy Road? C'est un jeu où il faut traverser la route. D'accord. Et ça te détend de jouer à ça? Ouais. Moi, ça me stresserait au possible, hein. Bon, bah si ça te détend. Tu finis la partie, Oli? Oui, bien sûr. Ah oui, puisque demain, on va encore marcher beaucoup. Faut que tu sois en forme. Tout le monde est couché? Ouais. Oui, tout le monde le est couché. Petit là-haut. Et le grand, juste là. Les copains et copines, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez-vous, pouce et surtout, abonnez-vous. On vous aime gros. Bisous, on vous adore. Bye bye tout le monde. Bye bye et plein de bisous. Bonne nuit. Bonne nuit et plein de bisous. Chevalier Swan et Roi Néo sont endormis dans leur château. Bonne nuit.